va maintenant parler de formation et de formation continue, en particulier la modification du CPF, le compte personnel de formation. A-t-elle créé un regain d'intérêt? La formation est-elle encore une façon d'améliorer sa vie professionnelle ou d'en changer? Eh bien, on va parler de tout cela avec une spécialiste qui a développé un concept de formation un peu particulier. Regardez. Je suis avec Isabelle Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de 1-2-3 CPF, le nom il parle de lui-même, on parle de compte personnel de formation. Le 1er janvier 2021, le DIF, qui était le droit individuel à la formation, a pris fin. Désormais, tout est concentré donc sur ce fameux CPF. Est-ce que ça a donné un coup de fouet à la formation, cette modification, ce changement? On ne peut pas encore parler de coup de fouet, parce que pour beaucoup de gens, c'était quelque chose de totalement nouveau. Ils n'avaient pas perçu le DIF, puisque en effet, quand l'État a voulu transformer le DIF en CPF, c'était parce que simplement 8% des salariés, des actifs, on va dire, avaient utilisé leur DIF, leur droit individuel à la formation. Et en transformant ce DIF en CPF, la volonté de l'État, c'était justement de donner ce coup de fouet, mais ça prend du temps parce qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est que le compte personnel de formation. Une fois qu'ils ont compris, il faut qu'ils puissent l'ouvrir, puisque plein de gens n'avaient pas ouvert leur compte personnel. Il faut faire une démarche particulière pour avoir accès à son compte personnel de formation. Il faut s'inscrire par Internet et ça prend du temps. Ça prend du temps pour deux raisons. D'une part, il y a les gens qui spontanément ont accès à Internet et à la culture de l'informatique et à la culture du compte en ligne. Et puis, il y a tous ces gens qui sont des salariés, qui sont des ouvriers ou des employés, ce qu'on appellerait de premier niveau, qui n'ont pas la culture d'Internet, qui n'ont même pas Internet chez eux. On pourrait en sourire si c'était drôle. Mais il y a quelques années, on parlait du savoir lire-écrire. Aujourd'hui, on parle du savoir numérique. Et le savoir numérique, il n'est encore pas accessible à tout le monde. Donc le compte personnel de formation, il n'est encore pas accessible à tout le monde. Mais on peut se féliciter que, évidemment, plus on en parle, plus les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce droit ?» Voilà. Alors, l'activité de formation, elle a aussi été bouleversée par la crise sanitaire. Les formations qui avaient lieu en physique avant, elles se sont transformées en visio. Et vous vous êtes dit, la visio, c'est pas adapté à tout le monde. Nous, on va faire déplacer le formateur chez la personne formée. Pourquoi vous avez mis au point ce concept? Alors, on a mis au point ce concept déjà pour répondre à cette problématique de formation, de dire que tout le monde n'a pas accès à la visio. Les apprentissages en visio ne sont pas accessibles à tout le monde d'un point de vue intellectuel aussi. C'est compliqué de rester derrière un écran et d'apprendre. Il y a toute une génération pour qui, autant nos nouveaux jeunes, nos jeunes, ils ont dû s'adapter. Et même pour eux, c'est difficile. Mais pour les gens qui n'avaient pas du tout l'habitude, c'était une problématique. Ça, c'était la première chose. C'était de répondre à cette problématique, de dire non, moi j'ai pas envie d'apprendre avec un écran. Déjà parce qu'on est obligé de suivre des séquences, les séquences sont formatées et donc on est obligé de s'adapter nous à la séquence de formation. Et nous on est parti du constat inverse, de dire depuis des années la formation elle ne vous propose que des choses qui sont formatées. Quand vous décidez d'aller faire 3 jours de formation Excel, enfin quand vous décidez que vous avez envie ou besoin d'une formation Excel, eh bien vous regardez un catalogue de formation sur lequel il y a un programme initiation, débutant, intermédiaire, perfectionnement. Et vous faites du sur-mesure plutôt. Et voilà, nous on a pris un concept qui est totalement différent, de dire il y a un formateur qui vient chez vous et qui fait une formation sur mesure. C'est pas le formateur qui décide du contenu pédagogique. En amont, l'apprenant il est audité. On détermine un programme pédagogique par rapport à son besoin de départ et son besoin final. Et à partir de là, on détermine une durée et un contenu. Et ensuite, on va pouvoir proposer un formateur à cette personne. Donc l'avantage, c'est que la personne peut être formée n'importe où en France, sur un contenu qui est sur mesure, sur une durée qui est sur mesure. Ce sont des genres de cours particuliers, finalement. On peut se former à tout? On peut se former. Alors nous, on a développé une large gamme de thématiques. On n'a pas encore toutes les thématiques, mais en tout cas, on peut se former aux formations, on va dire, les plus nécessaires, les plus utiles, les plus transverses. Donc tout ce qui est bureautique, tout ce qui est informatique, tout ce qui est langue, donc toutes les langues usuelles, et aussi quelques thématiques un peu spécifiques comme le management, comme la création d'entreprise, comme le bilan de compétences. Ça, c'est toutes les thématiques qu'on a déjà développées sur toute la France. Et ben voilà, c'est disponible partout, c'est disponible sur le site 1-2-3-CPF. C'est ça, 1-2-3-CPF.fr. Et ben voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous former, vous pouvez aller voir Isabelle Perron. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, on vous raconte une nouvelle histoire d'entreprise.